Allocution de Monsieur le maire. Madame la présidente de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant du Royaume-Uni, capitaine Parer, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal des jeunes, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie et des pompiers, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames, messieurs. Nous sommes réunis ici à la Brodière, à la Rouge, car il y a 80 ans, à quelques heures près, à quelques mètres d'ici, s'écrasait un avion britannique, l'Halifax VL-401 du 298e escadron de la Royal Air Force, avec ses 6 membres d'équipage. L'adjudant Gordon Peter Bell, 22 ans, pilote. Le sergent Robert Bensley, 22 ans, mécanicien de bord. Le sergent Arthur Holder, bombardier. Le sergent Colin Mansell, opérateur radio. Le lieutenant Leslie Jack Rowell, 26 ans, copilote. Et le sergent Ivan Alexander Wicks, 24 ans, opérateur radio. Leur avion a décollé le jeudi 24 août 44 à 22h14 de la base Royal Air Force Tarrant Rushton. Il devait revenir à sa base le lendemain à 4h04. Vers 23h, l'avion était dans les environs du Mans, à 4000 pieds, quand le pilote a ressenti un léger impact sur l'aile droite. Quelques secondes plus tard, le mécanicien de bord, Robert Bensley, dit au pilote de mettre en drapeau le moteur extérieur droit. Presque immédiatement, le mécanicien de bord constate que le réservoir de fuel numéro 1 a été percé et dit au pilote de mettre en drapeau le moteur intérieur droit. Après quelques minutes, le moteur intérieur gauche commence à perdre de la puissance et l'avion perd de l'altitude rapidement. L'avion est à présent trop bas pour que l'équipage puisse sauter en parachute. Ils reçoivent alors l'ordre de se mettre en position de collision. L'avion touche le sol en l'espace de quelques secondes, réalisant ce qu'un rapport dira plus tard, un atterrissage sur le ventre, habile. Bien que le pilote n'ait constaté aucun tir, le ministère de la Défense britannique présume que l'avion a été frappé par un tir allié anti-aérien. Probablement un tir d'une batterie américaine présente sur le secteur ce soir-là. Le sergent Bensley meurt quelques minutes après le crash. Le lieutenant Rowell et le sergent Wicks meurent au Mans le lendemain du crash après avoir été transportés à l'hôpital du Mans. Seuls 3 membres d'équipage blessés survivent. À travers cette commémoration, je tiens à saluer l'ensemble des acteurs qui sont intervenus directement pour venir en aide à ces militaires britanniques. Les familles Lecourbe, et notamment M. Louis Lecourbe qui a sauvé des flammes 5 des 6 aviateurs, les familles Brière, Brouard et Bru, l'adjudant de gendarmerie sur place et le docteur Delon qui a prodigué les premiers soins aux blessés. Dans les échanges entre la famille Bensley et le ministère de la Défense britannique, nous apprenons que le même équipage a participé à 2 opérations dans le cadre du D-Day. D'abord, dans la nuit du 5 au 6 juin, dans le cadre de l'opération Coup de main. L'avion décolla à 23h et faisait partie des 6 avions Halifax qui libérèrent dans le nord de la France avec succès des planeurs Orsa, chacun transportant 28 militaires des unités de la Royal Artillerie Anti-Tank. Ces unités atterrirent près de leurs objectifs et atteignirent leur but qui consistait à récupérer 2 ponts minés, un sur la rivière de l'Orne, un autre sur le canal de Caen, afin de sécuriser le flanc gauche de la 6e division airborne. Suite au largage des planeurs, l'avion a continué à larguer 2 bombes 5001B sur une usine de poudre à Caen pour amplifier l'effet de surprise. Une deuxième opération a été finalisée par cet équipage, donc le 6 juin 44. À 19h28, l'équipage décolla dans le même avion dans le cadre de l'opération Maillard. Une fois encore, en remorquant un planeur Orsa, cette fois le planeur transportait des conteneurs, une jeep et un canon anti-char. Une sortie réussie et retour du nord de la France. L'avion retrouva en toute sécurité la base de la Royal Air Force Tarrant-Rushton.
Comme le faisaient nos prédécesseurs, nous avons souhaité avec la municipalité cette année honorer la mémoire de Robert Bensley, mais également des 5 autres membres d'équipage. Et pour les inscrire définitivement dans notre mémoire, la municipalité a souhaité réaliser cette stèle que nous allons inaugurer aujourd'hui. Avec cette stèle, c'est gravé les noms de ces jeunes Britanniques qui ont donné leur vie pour la liberté, pour notre liberté. Je tenais à remercier très chaleureusement notre tailleur de pierre local, Thomas Pelletier, qui a réalisé cette stèle magnifique dans un délai contraint, l'équipe des services techniques qui s'est mobilisée activement pour préparer cette installation, les témoins qui nous ont aidés à reconstituer l'histoire de ce crash et l'ensemble des élus mobilisés pour rendre cette manifestation possible. Je remercie enfin l'ensemble des participants à cette commémoration et notamment les porte-drapeaux, les anciens combattants, les forces de pompiers et de gendarmerie, les membres du conseil municipal des jeunes, l'harmonie de Saint-Germain-de-la-Coudre également, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, a dû effectivement pendant l'été se préparer à jouer notamment l'hymne britannique, les descendants des témoins également qui sont présents aujourd'hui et qui ont souhaité être parmi nous, ainsi que vous tous qui êtes attachés comme nous au devoir de mémoire. Je vous remercie. Allocution du capitaine Parrell, représentant du Royaume-Uni. Monsieur le maire, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie et des pompiers, mesdames et messieurs, je suis le capitaine Laurie Parrer, je suis pilote de chasse en formation en Grande-Bretagne. Et c'est un honneur pour moi d'être ici pour cette commémoration. Cette commémoration me touche d'autant plus vu le jeune âge de Robert Bensley, qui avait seulement 3 ans de moins que moi. Nous sommes réunis aujourd'hui afin de rendre un bel hommage aux 6 aviateurs de l'équipage du Halifax Lima 401 Alpha Tango, et plus particulièrement à l'aviateur Robert Bensley, qui était de la Royal Air Force, qui fut tué et inhumé ici, à La Rouge, dans la commune du Val-au-Perche. Le devoir de mémoire associé à cet événement tragique revêt une particularité émouvante qui pourrait tous nous désorienter. Vendredi 25 août 1944, un avion britannique fut abattu, par erreur, par la défense anti-aérienne américaine, une force alliée, alors que l'appareil survolait la France après une opération spéciale. Les opérations spéciales sont des activités militaires conduites par des forces spécialement désignées, organisées, entraînées et équipées, composées de femmes et d'hommes, formées à mener une guerre non conventionnelle. Les actions menées par les opérations spéciales étaient soutenues par la Royal Air Force. Et celles-ci ont joué un rôle essentiel dans la libération. L'aviateur Robert Bensley, né en 1921 et décédé en 1944, avait alors 23 ans. En cette année, où nous célébrons le 80e anniversaire du débarquement, nous rendons hommage à l'aviateur Robert Bensley et à sa famille, mais aussi aux héros qui, comme l'aviateur Robert Bensley, ont combattu, et aussi aux nombreuses victimes de la guerre. Commémorer cette date, c'est aussi souligner le sacrifice consenti par les militaires et rappeler l'importance de la paix et de la réconciliation. Par le souvenir, par le recueillement, nous honorons et nous promouvons également les liens, le dialogue, la coopération mutuelle qui existe entre nos deux pays, la France et le Royaume-Uni. Je souhaite réitérer ma profonde gratitude pour avoir pu associer le Royaume-Uni à cette journée. Je vous remercie. Thank you very much. À présent, monsieur le maire va révéler la stèle.
La commune de Val-au-Perche ainsi que le Royaume-Uni vont procéder à une dépôt du jet de gerbe sur le devant le stèle. Les membres du conseil municipal des jeunes vont aller à chacun leur tour déposer un drapeau au nom des soldats présents dans l'équipage. L'adjudant Gordon Peter Bay. Le sergent Robert Hensley. Le sergent Arthur Holder. Le sergent Colin Mansell. Le lieutenant Leslie Jack Rowell. Et le sergent Ivan Alexander Wicks. Monsieur le maire va remercier les porte-drapeaux.
La commune de Vaupeperche vous remercie de votre présence et vous invite à un vin d'honneur. Merci.